Bonjour à toi, chers spectateurs. Women de Yann Arthus Bertrand et Anastasia Mikova. C'est un film dont j'ai très vaguement entendu parler il y a 2-3 semaines, parce qu'il y a des avant-premières qui ont été organisées un peu partout en France par le biais du magazine Elle, qui organise généralement soit des AVP, soit des séances spéciales euh, pour faire découvrir des films. Et ils ont donc mis ce film en avant. Et je m'y suis intéressé parce que le précédent long métrage de Yann Arthus Bertrand seul, Human, ça m'avait quand même foutu une belle petite claque à l'époque, hein, et je m'en souviens encore aujourd'hui. Donc du coup, j'avais juste envie de voir ce que le cinéaste allait nous proposer en collaboration donc avec une de ses plus proches créatrices depuis maintenant plusieurs années, Anastasia Mikova. Le résumé pour faire simple les femmes sont belles, les femmes sont battantes, les femmes sont révolutionnaires, amoureuses, modernes, attachantes. Si on devait retenir une seule chose de l'humanité, ce sera à quel point les femmes représentent le meilleur de l'homme en tant qu'espèce et en tant qu'être humain. C'est le fils spirituel, selon métrage de Human, parce que. C'est quasiment la même forme, au moins dans les entretiens. Ça c'est sûr, c'est exactement la même forme. Je veux dire, il y a le même fond, il y a le même type de plan de caméra, il y a la même manière d'utiliser les sous-titres pour mettre en avant les témoignages. C'est vraiment, vraiment, quasi à l'identique. Ce qui change, c'est que pour mettre en avant un type d'être humain, ici les femmes, bah, tu peux pas faire des plans zénithaux ou des plans euh, en hélicoptère où tu vas capter des trucs complètement fous comme c'était le cas avec Human. Donc, tu es obligé de te rapprocher. Et là, ça se voit du coup que Yann Arthus-Bertrand, il avait besoin d'Anastasia Mikova pour essayer justement d'équilibrer sa mise en scène par rapport à ça. Ce qui donne lieu du coup à un équilibrage beaucoup plus terre à terre et surtout qui cherche le plus possible à mettre dans leur contexte les situations qui vont être mises en scène parce qu'il y a les témoignages. Donc comme c'était le cas sur Human, où on va vraiment avoir des face cam où des femmes vont se livrer, des femmes venant du monde entier, et on va avoir donc cette petite séquence de transition où on va voir donc des femmes liées aux situations évoquées juste avant face cam. C'est plutôt bien fait. Après, je ne me voile pas la face en prenant conscience qu'il s'agit, quand j'évoquais avant du fils spirituel de Human, que Women du coup souffrent énormément de ça, résonne comme étant la parfaite copie de ça, maîtrisée. Mais vraiment trop à l'identique pour vraiment sonner comme neuf. Certains documentaires ont une démarche claire et assurée. Une démarche qui guide un geste artistique souvent fort, souvent évocateur, mais qui cherche avant tout à parler avec une immense finesse de ce que nous sommes sur Terre, de ce que nous sommes en tant qu'êtres vivants, dans nos pires comme les meilleurs moments. Artus Bertrand et Mikova décident ainsi de construire une suite spirituelle à Human, le précédent métrage du metteur en scène et photographe français sur lequel sa choralisatrice avait opéré. Pour une œuvre touchante, beaucoup plus simple et moins folle que Human, mais qui reste un regard fort et nécessaire sur la femme moderne, sur la femme mondiale, sur la femme comme on devrait la voir et non comme on la regarde et parfois juge. En termes d'écriture et de mise en scène, euh, Mikova et Artus Bertrand. Donc, comme je l'évoquais, on vraiment souhaitait jouer le plus possible donc, sur le côté très terre à terre de cette mise en scène. Cette écriture, elle, met en avant ces femmes et cette mise en scène, elle, les met en avant également. Donc, hors de question de faire des grands plans en vue hélicoptère où on va mettre en avant de grandes situations, donc, comme c'était le cas sur Human, ici, le but, c'est de se recentrer, de les mettre dans leur contexte, de mettre en avant ces femmes dans des situations beaucoup plus simples, beaucoup plus anecdotiques. Ça va de parler des violences conjugales à parler de comment elles ont rencontré leur mari, à évoquer leur sexualité, jusqu'à parler des règles, et pour finir... On va parler de la vision de la femme dans le monde du travail. Le but, c'est vraiment de concentrer le propos sur ce que l'on voit des femmes et ce que l'on imagine voir des femmes. Ce que je trouve être très intéressant, parce que là où on a beaucoup d'œuvres féministes ou aux propos très féminins qui débarquent dernièrement dans les salles, à chaque fois on oublie presque de replacer un contexte et de montrer une vérité plus que une nécessité de propos. Ici, le but étant de montrer la vérité, de l'évoquer directement par le biais de la bouche des femmes qui vivent ce genre de choses au jour le jour. Et donc c'est très intéressant, c'est poignant, c'est par moments très dur, il y a des moments où tu te retiens de hurler dans la salle, c'est un scandale, tellement ça te fout des frissons, tellement c'est glauque, et parfois c'est presque drôle la manière avec laquelle certaines situations sont évoquées, notamment quand tu entends certaines prostituées se moquer presque des personnes qui couchent avec elles parce que elles font croire que c'est normal alors qu'elles savent très bien que derrière il y a une vie de famille et des choses comme ça et que... Ah, c'est pas normal comme situation, mais bon, elles, elles n'y peuvent pas grand chose, elles, elles ne font que gagner leur vie. Et c'est très intéressant du coup de jouer là-dessus sur le décalage de certaines situations parce qu'on pourrait se dire que le film serait avant tout une œuvre très émotionnelle, dans le pathos profond, euh, assez dramatique et noir. Et le film arrive justement à plusieurs reprises à avoir des, des petits moments de joie comme ça. Je pense tout simplement à une séquence de transition qui a un moment où on va parler du coup de la sexualité des femmes et où on va leur demander comment ça s'est passé leur première fois. Et plutôt que de tout de suite passer au questionnaire et à, aux différentes réponses et témoignages de ces femmes, va d'abord y avoir une petite séquence de transition où on va les voir toutes rigoler et réagir justement à l'évocation de cette question. Et ce genre de petits moments, c'est ce qui fait le brio de cet ensemble, qui cache derrière les petites maladresses et les petites copies du coup de human et qui font que on retient avant tout ça et on sourit. La mise en scène n'est que rarement présente. Le montage devient la véritable forme d'expression artistique et de réalisation d'une œuvre qui cherche avant tout à portrayer les femmes avec le plus de vérité possible, pour un instant évocateur et surtout révélateur d'un duo de metteurs en scène et d'auteurs forts. Sans le moindre doute, Mikova et Arthur Bertrand retravailleront ensemble. On sent que les deux regards se complètent, savent capter et attacher le spectateur à leur ensemble narratif et dramatique pour sonner comme vrai comme émotionnel, sans jamais tomber dans le pathos grossier ou un peu trop appuyé, ce qui aurait pu être le cas, mais heureusement pour nous, ne l'est jamais, et cela fait du bien. S'il est sûr que la forme résonne trop comme un écho pas forcément nécessaire aux précédents films du cinéaste et photographe français, il n'en reste pas moins un témoignage fort et obligatoire de notre époque sur une mentalité et sur une manière de voir les femmes qui doit devenir une nécessité dans l'œil de nous, êtres humains que nous sommes. En termes de casting, enfin, ici, de témoignage, euh... Il y a quand même 2000 femmes, visiblement, qui sont passées devant la caméra de Mikova et Artus Bertrand. Je ne pense pas qu'elles soient toutes présentes à l'écran. Hein. Il doit y en avoir euh, 300, 400, peut-être 500 au plus grand max, présentes devant la caméra. Mais déjà, ça fait quand même une batterie de témoignages absolument saisissantes. Toutes ces femmes parlent à filtre complètement ouvert. Il n'y a aucune retenue, aucun besoin de ne pas parler de quelque chose. C'est tout le temps de manière frontale. Et même quand il y a des petites hésitations, je pense à une femme à un moment qui hésite à évoquer qu'elle a avorté une fois, euh, ça se brise assez rapidement. Comme si bien au-delà de la caméra, la présence de Mikova et de Artus Bertrand derrière suffisait à mettre à l'aise ces femmes. Et, et c'est vraiment saisissant du coup de voir l'impact que peut avoir un auteur sur la caméra et sur les personnes face à cette caméra. Comme si ici, c'était presque uniquement eux qui faisaient en sorte que la caméra, elle disparaisse. Ces 2000 femmes, même si elles ne sont pas toutes présentes à l'écran, sont fortes, sont belles. Sont brisées parfois, mais avant tout courageuses, et nous transmettent cela avec beaucoup de justesse et surtout de vérité. Au bout du compte, Women est un film que je trouve très intéressant si vous avez vu Human. Si vous n'avez pas vu Human, je pense que ça va sonner comme une œuvre qui va vous sembler peut-être un peu trop anecdotique, ou peut-être un peu trop simple, parce que dans ma tête, ça sonne vraiment comme un complément à Human. Human évoque l'humanité, de manière générale, sans filtre, sans le côté on parle que des femmes ou on parle que des hommes, ça parle de tout le monde. Et Women vient apporter ce complément, qui est la vision de la femme dans la société actuelle, à travers le monde. Donc, je vous conseillerais d'abord de revoir Human. Si vous ne l'avez pas vu ou si vous l'avez déjà vu, revoyez-le juste avant d'aller voir le film, parce que du coup, Women vous semblera extrêmement complémentaire, et je pense que vous l'apprécierez plus que si vous allez voir juste comme ça, pour le plaisir de voir un film de Yann Bertrand. Donc Women de Yann Artus Bertrand et Anastasia Mikova, c'est un film que je vous conseille, mais en ayant en tête que c'est mieux si vous avez vu Human. A plus